quand tu pries, voilà ce que tu fais. Tu entres dans ta chambre et tu fermes ta porte. Et puis tu lui dis, hey, tu pries ton Père qui est là dans le secret. En d'autres termes, Dieu a un endroit où il t'attend. My God. Dieu a un endroit où il t'attend. God has a place where he's waiting for you. God has a place where he seeks to meet. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, salut. N'a continué avec étude non sur élève ton autel. Nous espérons que déjà ou béni et nous encourager pour capable continuer suivre ce message ça, partager lien avec nos amis, partager avec nos familles et ainsi ou va béni. Déjà que bon Dieu bénisse et bonne écoute au nom du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons et nous te remercions pour grâce ou fait nous pour nous capables là encore. Et alors que nous prenons rentrer dans l'enseignement ça, nous demandons s'il te plaît pour capable remplir nous avec puissance ou ouvrez genoux pour nous comprendre volonté pour la vie nous et appliquer dans nom Jésus nous prions. Amen. 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 Songez me dire ou partager service là avec vos amis parce que là important pour comprendre enseignement à soi. Et depuis mercredi, moi t'ai commencé à enseigner sous l'autel. Et il y a un texte de base que m'ai utilisé, c'est texte que nous t'ai joindre dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, et m'a lu pour les besoins de la cause à partir du verset 23. La Bible a dit dans Exode chapitre 20 à partir du verset 23, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Bien-aimés frères et sœurs, l'enseignement sur l'autel, c'est un enseignement les plus puissants qui existait. Et je suis capable de comprendre pour quelle raison, au fur et à mesure que m'a creusé le sujet, au fur et à mesure m'a approfondi l'étude là, je suis capable de comprendre pour quelle raison c'est un sujet que l'ennemi a fait mes genoux sous lit. Parce que son sujet qui mettait le dehors et son sujet qui fait intervenir Dieu dans nos vies, dans nos espaces et dans nos demeures. Nous songeons te dire que le mot hôtel, nous songeons te bon deux définitions tout au moins, nous te dire que le mot hôtel, là, dans son étymologie latine, c'est altare de la racine altus qui signifie élevé. Donc c'est un haut lieu, un endroit élevé qui sert de point de contact entre l'humain et le divin. Voilà pourquoi dans l'Antiquité, on dressait des autels généralement sur les collines et les montagnes, sur les lieux élevés. Voilà pourquoi dans la Bible, on attendait à parler des autels dressés dans les hauts lieux. Why? C'est parce que dans la mentalité des gens, on devait s'élever pour aller rencontrer Dieu. Donc c'est un point de contact, un point de rencontre, un point en fait côté l'humain capable de rentrer en contact avec le divin. Donc deuxième définition que je me souviens de parler avec, c'est plutôt le mot hébreu misbéa qui signifie littéralement égorger, abattre. Donc l'autel c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu d'abattage, c'est un lieu où l'on présente à Dieu des offrandes et des sacrifices. Et généralement, des sacrifices de sang qui te préfigurait Jésus qui devait donner sa vie pour la vie de l'humanité. Je me souviens, je t'ai expliqué hier soir que les animaux qu'on immolait sur les autels, le sang des animaux, c'était une représentation de yon sang. En fait, quand on immolait yon animal, ce sang te représentait la vie. Mais la vie qui tapera le bail pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme soit pardonné, pour que l'homme soit racheté et réconcilié avec Dieu, c'était pas le sang des boucs, c'était pas le sang des taureaux, c'était pas le sang des béliers, car ils étaient insuffisants, ils étaient inadéquats, ils ont pas capable de pardonner péché vrai, mais on t'a préfiguré l'agneau de Dieu qui devait ôter les péchés du monde. On t'a préfiguré ce sacrifice pur, le sacrifice le plus pur, le sacrifice le plus saint, le sacrifice le plus précieux, le sacrifice le plus puissant qui par l'homme
que Jésus de Nazareth. Donc, si vous comprenez bien Samdoula jusqu'à présent, vous comprenez que Golgotha t'apprend le lieu côté bon Dieu, t'apprend dresser l'autel le plus puissant. Amen. L'autel le plus merveilleux. Et là, à l'autel de la croix, Dieu allait donner en sacrifice son fils. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, que rien ne peut tenir devant l'autel de la croix. Mais pour qui raison? Amen. Pas de autel qui a campé devant l'autel de la croix. Pas de sang qui a plus puissant passé le sang de Jésus. Donc, l'important, frère Maxime, quand tu es en danger, quand tu es en difficulté, de faire appel au sang, de faire appel à l'autel de la croix, de faire appel à la vertu, aux différentes vertus du sang de Jésus. Et puis tout me donner mon Dieu qui déclarait, depuis ces mondes qui invoquaient, le nom du Seigneur sera sauvé. Depuis ces mondes qui invoquaient, le nom du Seigneur sera délivré. Je bénis Dieu pour la croix. Je bénis Dieu pour Jésus. Je bénis Dieu pour ce sacrifice. Oui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus rend possible la rencontre de l'humain avec Dieu. Ak yomé li kembe papa. Ak yomé li kembe l'humanité. Et pour jamais, nous sommes réconciliés avec Dieu. Planter des autels. Dresser des autels. Pourquoi cela est-il important? Donc si la croix est l'autel le plus puissant, si Jésus est le sacrifice le plus pur, le plus saint, le plus élevé, pour qui raison nous-mêmes n'a parlé pour moun monter autel, pour moun dresser autel, pour moun créer autel? Nous pourrons voir quelques raisons importantes dans l'enseignement Astoria qui a expliqué pour qui raison il est important pour monter ou bien pour dresser un hôtel, la caillou, ou bien dans quel que soit l'espace au passé. Premièrement, là où dresser un hôtel, lui créer un espace physique côté où capable de rencontrer avec mon Dieu. Stay with me now. Nous, hôtel, créer un espace physique côté où capable de rencontrer avec mon Dieu. L'Éternel parler avec Moïse. Il dit Moïse, les peuples a voulu rencontrer. Les a voulu parler ensemble avec moi. Yo pape fait portrait parce que pas de monde qui aime. Yo pape fait des images d'or, d'argent pour me les associer, c'est pas comme ça va faire. Mais Yahva élevait un autel de terre et Yahva offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des brebis, des bœufs. Et puis tout l'Éternel dit, depuis ce côté, m'a va rappeler les noms. Et puis tout là, il a pas fait ça. Je viendrai à toi et je te bénirai. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui disent, ou bien il y a des gens qui pensent, quand ils passent, il n'est pas nécessaire en fait pour nous dresser un autel parce que Jésus est mort à la croix. Donc ça t'a censé fini avec cette question d'autel parce que la croix est l'autel le plus puissant qui soit. Vous d'accord? D'accord. Yon nan bagay ou a besoin qu'on ait, c'est que Mdjou li crée un espace pour rencontrer bon Dieu. Ou capable de parler avec bon Dieu n'importe le. Ou capable de parler avec bon Dieu n'importe côté. Ou pas nécessairement besoin d'un espace physique pour parler à bon Dieu. Ou pas nécessairement besoin d'un lieu pour parler à bon Dieu. Mais l'important, tenez bien, l'important pour qu'on lieu pour parler à bon Dieu. Why? Parce que yon hôtel créé what I would call a getaway with God. Son espace qu'on pas nous courir. Son espace qui aménagé, amen. Son espace qui préparé, son espace qui destiné, son espace qui consacré à un seul bagage,
yorele la rencontre avec Dieu. Stay with me now. Ouais, même Jésus expliquait et enseignait sous l'importance et nécessité pour un monde gagner un lieu secret. Bon, dis encore. Jésus enseignait sous importance et sous nécessité pour que un monde gagne un lieu secret. Nous lis en Matthieu chapitre 6. Aïe aïe aïe. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus ban nous yon au secret qui puissant. Amen. Jésus dit comme ça: lorsque vous priez, à partir du verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et puis tout dit, mais secret dans Ouelou, mais vérité dans Bisketou, mais pour bagaille dans Namou. Et puis tout dit comme ça, mais quand tu pries, voilà ce que tu fais. Tu entres dans ta chambre et tu fermes ta porte. Et puis tout dit, et tu pries ton Père qui est là dans le secret. En d'autres termes, Dieu a un endroit où il t'attend. My God. Dieu a un endroit où il t'attend. God has a place where he's waiting for you. God has a place where he seeks to meet you. Pasteur qui côté ça est. Et puis tout le temps de Jésus dit, rentre là dans ta chambre, là dans ce lieu secret, là où personne ne te voit, là où tu n'es pas distrait. Si je suis au salon, les enfants peuvent me distraire. Si je suis à la table, les enfants peuvent me distraire. Si je suis, et bien dans le côté où il y a joué, les enfants peuvent me distraire. Et puis tout le temps de Jésus dit, ce que je veux que tu fasses, je veux que tu crées un espace, je veux que tu crées un lieu, je veux que tu aménages un espace, et cet espace, il est là, là à faire de lieu. Donc il parlait d'un endroit, il parlait d'un espace où tu n'es pas vu, où tu n'es pas distrait, où tu n'es pas contrarié, et dans cet espace, tu communiques avec ton Dieu, ou parler avec mon Dieu, ou communiquer avec mon Dieu, ou relève mon Dieu, son espace d'intimité, son espace de rencontre, son espace de concentration. Et puis tout le mon Dieu qui dit, que bagaille m'a besoin de dire, m'a pas dire, côté mon apnuire, que bagaille m'a besoin de parler avant, m'a pas parler avec, côté si mon ap monte descend, côté mon ap joué, côté ap contrarié, crée un lieu, un sanctuaire, aménage un hôtel. Et quand tu le fais, quand tu me pries, aïe aïe aïe, dans ce lieu secret, l'oreille n'est pas ça. Et puis tout Jésus déclarait, ce que tu fais en secret, et puis tout dit, ton Père te le rendra. Quel monde qui va comprendre rien? Quel monde qui ouais? Quel monde seul côté OM? Yo OM des caméras. Quel monde seul côté OM? Yo OM avec micro. Quel monde seul côté OM? Yo OM des chairs. Mais on va comprendre. Pour eux-mêmes, ils pensaient que force là, c'est des micro alliés. Ils pensaient que force là, c'est des chers alliés. Ils pensaient que force là, c'est des caméras alliés. Mais secret là, force là, c'est dans le lieu secret, my God. Force là, c'est dans mon hôtel. Force là, c'est dans l'hôtel là. C'est là m'arriver dans l'hôtel là. C'est là me parler avec mon Dieu dans l'hôtel là. C'est là me rentrer dans le sanctuaire de la prière. Et là, je dis Seigneur, j'ai besoin de ta force. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction. Et là, dans le secret, Dieu me communique la grâce. Dieu me communique la puissance. Dieu me communique la force. Dieu me communique l'onction. Me déclarer, non, tel que ton dressé, là où Dieu a bonne force. Là, mon Dieu a rencontré où? Là, mon Dieu a bonne révélation. Là, mon Dieu a bonne puissance. Que mon Dieu a rencontré où? Je dis que mon Dieu a rencontré où? Que mon Dieu a rencontré où? Que le rencontré dans le lieu secret. Que le rencontré dans l'hôtel de la prière. Que mon Dieu rencontre au nom de Jésus. Hôtel là. Hôtel là. Créer un espace. Lui créer un lieu.
li créé yon côté ou ka parler sans être distrait, sans être contrarié. Mais tu es là avec ton Dieu. Mais pour quelle raison l'important pour un hôtel dans un premier temps? Parce que le Kumdoul crée un espace physique qu'autant toute sûreté. Ouais, dis bagaille, vous ne pouvez pas parler à madame. Ou pas parler de la timon à monter des sons. Dis bagaille, vous ne pouvez pas parler à madame. Ou bien, vous mettez parfum, vous mettez pyjama, et puis vous rallongez le journal, vous cagez sous dos, et puis vous attendez madame dans une sous-cabane, en chemise de nuit. Hein? Là, ça, c'est pas l'évangile de Jean, ou à conjuguer, non? Vous pouvez le conjuguer, il y a l'autre l'évangile. Mais tu crées l'espace, et puis tu me tenez, bon Dieu, dit que l'évangile me se conjuguer avec. C'est dans l'intimité. C'est garder son côté secret. Bâti hôtel. Montez hôtel. Dressez hôtel. Parce que le créer un espace physique pour rencontrer Dieu. Une deuxième raison, il faut aller rapide, qui fait l'important. T'aimes bien. Nous parlons en profondeur. Il y a une deuxième raison qui fait la plus importante pour bâtir un hôtel. C'est que l'hôtel là, il baille bon Dieu, il y a un droit légal dans le cas là. Ouh, je me dis encore. Je me dis hôtel là, il baille bon Dieu, il y a un droit légal dans le cas là. Un principe spirituel et une grande vérité que nous t'a aimé ou connaît qui s'allie passe derrière tout hôtel gagne un esprit. Je me dis ça encore, derrière tout hôtel gagne un esprit. En l'autre façon que je dois dire ça, il y a un esprit qui est lié à tout hôtel. Pour quelle raison? M'doulala. Ou après marqué dans la Bible, il y a des hôtels qui étaient dressés et dédiés à l'Éternel. Comme ça, tout, il y a des hôtels qui étaient liés et dressés à Satan. Tenez bien. Depuis autant de mots bâti en hôtel, il est généralement bâti à un esprit. Dédié à un esprit ou bien consacré à un esprit. Pas chambrier ça, m'tou là. Par exemple, ou lit dans 1 Chronique chapitre 21, verset 26. Bon, temps nous joigne parce que enseignement ça m'tapreme ou lit a déjà en tête. 1 Chronique, il dit 1 Chronique chapitre 21, verset 26. Écrit ouvert Bible pour joindre. Mais qui sa parole bon Dieu a dit? Il dit comme ça, David bâtit là, qui ça? Un hôtel à qui est-ce? À l'Éternel. L'hôtel est bâti à une divinité. Et vous comprenez, même Jean Moun qu'on bâtit des hôtels à l'Éternel. Moun qu'on bâtit des hôtels à Baal ou bien au Baal et aux Astarté. Texte en nous chavirer. En chavirer dans 2 Chroniques. Nous dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Nous allons 2 textes rapidement. 2 textes rapidement. Dans 2 Chroniques chapitre 28. Nous tenons bagages sauvages qui passent. Nous tenons bagages sauvages qui passent. Dans 2 Chroniques 28, m'a commencé depuis dans verset 24. Et puis tout n'a fini, n'a pris verset 24 et 25. Mettez-le pour moi sur l'écran s'il vous plaît, parce que m'ta prémé, c'est enseigné m'a pas enseigné. M'ta prémé au gain où est la géo. Mais qui ça dit? Il dit comme ça, Akab
rassembla les ustensiles de la maison de Dieu. Et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. And watch this. Verset 33. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Verset 26. Continue. Et puis tout le dit comme ça. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire même gens au monde quand bâti hôtel à l'Éternel, quand ça tout le monde qui a bâti un hôtel à d'autres dieux, même Jean Noël fait dans Akab. Mais qu'on bagaille qui est important, ou a remarqué, la Bible a dit comme ça, Akab fermé, pas de carré, bon Dieu. Et l'elle fermé, pas de carré, bon Dieu, ça le fait. Il a commencé à bâtir des hôtels. Stay with me now. À cap fermé. Pas de caille, mon Dieu. Et puis, il a bâti des hôtels. C'est à partir de Samzola là. Vous avez besoin de connaître. La Bible a dit à cap fermé pour caille, mon Dieu, ça le fait. Il y a un roi avant à cap qui était le roi Salomon. Salomon, c'est lui qui a bâti la maison de l'Éternel. Et de cette maison de l'Éternel qui a été faite selon le modèle du sanctuaire, qui était gagné là-dedans, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, ou absolument, j'aime que tu es pour rentrer dans le temple, premier bagaille, ou rencontrer, c'est l'autel des holocaustes. Donc, lorsque la Bible a dit, à qu'a fermé porte, mon Dieu, ça le fait, il chante. The altars of God. Il est fermé. Hôtel. Bon Dieu, ça le fait. Il bâtit des hôtels. Ou pourquoi là? Qui ça le fait en réalité? Mais qui ça le fait? Les Akab fermé. Hôtel, bon Dieu. Il ouvert hôtel à l'autre divinité. Et puis tout, la Bible a dit, il mettait hôtel dans tout coin de Jérusalem. Ça le fait là. C'est fun ni fun pays à ma diable. C'est fun ni fun pays à ma démon. C'est fun ni fun pays à ma Satan. Les fun pays. Et depuis où est? Et qui t'aime tout? Dans tous les pays du monde, il y a des hôtels qui sont dressés à Satan. Il y a des hôtels qui sont dressés à des divinités. Il y a des hôtels qui sont dressés aux démons. Et hôtels, ça y est, les dressés comme ça, ça y est fait. Ils ont tourné des portes invisibles sur le surnaturel du diable. Et puis tout démon entre dans le pays. Diable envahit le pays. Démon prostitution prend la rue. Démon volé prend la rue. Démon violence prend la rue. Démon tuer moun prend la rue. Pour qui raison? C'est parce que on a fermé les hôtels de Dieu et on a ouvert les hôtels à Satan. Diable entré. Diable failli. C'est ça que fait moi-même. Attendez. C'est ça que fait après. L'Éternel prend le bas au pays. L'Éternel dit, l'Éternel rentre dans le pays. Premier bagage m'a demandé de nous faire. Graser hôtel yo. Bouler hôtel yo. Briser hôtel yo. Fermer yo. Pour qui raison? Parce que en détruisant les hôtels, en les brûlant, on ferme la porte aux démons. On ferme la porte à Satan. Aïe, aïe, aïe. L'aime dit où? Dressons hôtel. L'aime dit où monter hôtel à Caillou. L'aime dit où monter hôtel dans l'église. L'aime dit où monter hôtel quand on travaille. Samdou, c'est dimdou. Ouvrez porte pour mon Dieu entrer. Ouvrez porte la Caillou. Parce que l'heure où dresser hôtel là, son porte ouvert. Aïe, aïe, aïe. Son espace ouvert. Son aïe ouvert. Son paille aïe aïe. Son excuse ou pas mon Dieu pour l'atterrir. Son excuse ou pas mon Dieu pour le rentrer. L'aïe aïe aïe. Moi, je vous conseille de dresser hôtel.
dresser hôtel yo. Parce que là, ou dresser hôtel là dans Kaila, de temps en temps, le ciel qui a flashé. De temps en temps, le ciel qui a visité. De temps en temps, qu'on malheur de arranger comme pour le fait. Et puis tout l'éternel font paraître. L'éternel bon visite. L'éternel demande comment va moun là. Et puis le regard de Dieu, le visage de Dieu, pas ennemi, un regard menaçant qui fait le reculer, qui fait le basculer. My God, et me comprendre pour qui raison message hôtel ça mauvais comme ça. Me comprendre pour qui raison message hôtel ça boule comme ça. Parce que l'ordre c'est hôtel mon Dieu, hôtel Satan obligé fermer. Parce que côté mon Dieu, Satan la gare là. Me senti pour me dire, dressons hôtel la gare là. Parce que l'ordre c'est la gare là. Ou pas seulement dresser pour vous même, ou dresser pour tout quartier. Hey, hey. Ou dresser pour toute communauté. Moi tout dresser hôtel. Dresser hôtel, bâti hôtel, créer hôtel, ou ils vont côté bâti hôtel, ou pas son côté bâti hôtel, ou qui doit rallonger roche, bon ou bâti hôtel, on dans la caillou, ou créer hôtel, parce que l'offel, c'est mon Dieu ou invité. L'offel, c'est le droit ou pas mon Dieu, pour paraître, pour agir. Pour opérer. Et puis tout me tendez dans l'esprit. Si on vient roi, qu'on est façon pour le bâtir pays, c'est pour ouvrir hôtel. Et puis tout me tendez mon Dieu qui a dit, s'ouvre les bâmes car là, dressons hôtel. S'ouvre les bâmes l'église là, dressons hôtel. S'ouvre les bâmes lieu de travail là, dressons hôtel. Dressons hôtel. Dressons hôtel. Ouvre les bombes Sky Chum Timounio, dressons hôtel. Aïe aïe aïe. Ouvre les bombes amitié, dressez hôtel. Et puis tout me déclarer, si vous vieux roi qui compte dresser hôtel, au bal. Si vous vieux roi qui compte dresser hôtel, au démon. Et puis tout texte la dit, les dressons hôtel, dans chaque coin, dans chaque viré, chaque passé, libère tout pays. Et puis tout me sentir dans l'esprit pour me dresser un hôtel. Aïe aïe aïe. M'bral dresser plusieurs hôtels sous camp pour ça. M'déclarer, m'bral dresser plusieurs hôtels. M'bap seulement gagner dans chambre. M'bap seulement gagner la caille. Mais m'ap mettre sous camp pour ça. M'ap mettre dans plusieurs coins. M'ap mettre dans plusieurs aïe aïe aïe. Encore, c'est pour tout espace ça. Consacré à l'éternel. Et puis tout, me senti dans l'esprit. Me dit, si un hôtel qui commence à dresser dans Miami. Si un hôtel qui commence à dresser dans Fort Lauderdale. Si un hôtel qui commence à dresser dans Orlando. Si un hôtel qui commence à dresser dans Tampa. Avant longtemps, bon Dieu a pris Florida pour lui. Avant longtemps, bon Dieu a pris Florida pour lui. Me dit, avant longtemps, bon Dieu a pris Florida pour lui. Et si un hôtel qui commence à dresser dans New York. Des hôtels qui commençaient de rester Port-au-Prince. Des hôtels qui commençaient de rester dans Boston. Des hôtels qui commençaient de rester dans le Canada. C'est pas seul Florida, mon Dieu apprend. C'est pas seul New York, mon Dieu apprend. C'est pas seul Port-au-Prince, mon Dieu apprend. Bon Dieu apprend la terre. Bon Dieu apprend le monde. Bon Dieu apparaît. Bon Dieu a fait miracle. Et la terre saura que c'est l'éternel qui est. L'hôtel. Hôtel, nous tous yon hôtel, yon nan bagay li fè, li crée un espace physique pour rencontrer bon Dieu. Mais yon l'autre bagay li fè, li ba bon Dieu droit légal pour le descendre dans espace, pour le fonctionner dans espace, pour le paraître dans espace, pour le Père, non espace. Bien-aimé, l'autre raison qui fait la paix pourtant pour dresser un hôtel. Nous dit important pour dresser un hôtel parce que il crée un espace pour rencontrer bon Dieu. Nous dit important pour dresser un hôtel parce que il bail bon Dieu doit légal pour paraître dans la vie. Il est important pour dresser un hôtel, tenez bien. L'important pour lui est son hôtel parce que la présence même de l'hôtel, la caillou, son encouragement à la prière. Je me dis ça encore. La présence même de l'hôtel, la caillou, son encouragement à la prière. Ça, ça veut dire.
Ça veut dire ou qui doit pas sous prier. Ou qui doit lever matin ou pas sous chercher bon Dieu. Ou qui doit lever dans mitan la nuit ou pas ka dormir fatigué. Et puis tout pendant ou à lever ou pour aller aux toilettes comme ça. Et puis tout je tombe sous hôtel là. Et puis tout temps d'on voit qui dit ou, come here. I'm waiting to meet you here. Dans le sanctuaire, il y a deux hôtels. Maintenant, ouais, ça avant. Il n'y avait pas seulement l'hôtel des holocaustes. Il y avait aussi l'hôtel des parfums. Et bon Dieu, le ou lit dans Exode 30, bon Dieu demandait pour offrir un sang sous l'hôtel là. Deux fois le jour. Dans matin et dans le soir. Ensemble, son parfum, son bagage au boulet devant mon Dieu qui dégageait une odeur agréable. Mais le symbolisme est puissant. Parce que l'heure où l'île dans Apocalypse chapitre 8, verset 5, il dit comme ça, ensemble, c'est la prière des saints. Ça veut dire, l'autel sur lequel on devait offrir l'encens deux fois le jour. Ça veut dire devant l'autel là, tu as gagné une fréquence. Tu as gagné une apparition fréquente, au moins deux fois. Au moins deux fois. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez que l'autel là, c'est pour un bagage où vous mettez la caillou juste pour bébel. C'est pour bagarre ou mettez là juste pour baou yon air spirituel. Mais son côté ou fréquenter souvent. Son côté ou aller souvent. M'kon pas envie prier trop parce que ça. Mais là, m'garde l'hôtel moi. Là m'garde chambre nan. Bien belle. Bien propre. Bien aménagé. Bien entretenu. Et puis m'nèk rentré. Et même si des fois je bagarre pour me dire bon Dieu, n'est présenté dans présence lui. N'est présenté dans présence lui. N'est crété dans présence lui. Me senti yon nan raison qui fait bon Dieu voyer message hôtel ça. C'est pour le capable déverser sous peuple l'esprit de prière. Bon Dieu voulait lever un peuple qui a prié. Bon Dieu voulait lever un peuple qui a intercédé. Bon Dieu voulait lever un peuple qui a vif devant le trône. Nous avons hôtel là. Hôtel là. Nous disons que nous créons un espace physique pour rencontrer bon Dieu. Nous disons que bon Dieu on doit légal pour le venir dans le cas là. Nous disons qu'il servit d'encouragement à la prière. Mais qu'on l'autre bagaille, hôtel l'a fait. Hôtel là, c'est un instrument de catéchèse. Ça veut dire, l'Ivini est un outil de destruction spirituelle et religieuse pour petit tout. Stay with me now. Dans l'Israël ancien, au temps des patriarches, il y avait ce qu'on appelait l'autel de famille. Autel familial, ça yo, c'était des lieux de rencontre côté famille réunis pour offrir des sacrifices à Dieu. Et ça permet que Timoun yo kap gade a, yo développé yo sens spirituel et un respect pour le divin et le sacré. Stay with me. Yon nan leçon bon Dieu te bay à Moïse pour dit peuple là. Bon Dieu dit Moïse, dis yo pour moi. Le roi sa yo, yo pas seulement kembel pour tête yo, mais ava enseye yo à petit yo.
les abdomi, les a levé. Il y a va raconter, il y a va enseigner. Pour qui raison? Stay with me, mais pour qui raison? C'est parce que Dieu veut conserver la révélation, la grâce et la bénédiction de génération en génération. Si après on lié spirituel n'a pas continué, tu as échoué, mon frère. Si le ou fin mourir, pas gagné on petit, si moun yo pas là pour yo continuer et protéger héritage spirituel là, something is wrong. Seigneur, m'a dépendu ma parler ça pour capable bon des fils spirituels dans le nom de Jésus. Seigneur, m'a dépendu dans moment ça pendant ma prêcher l'évangile ça pour capable bon des fils spirituels, pour capable lever une génération de fils et de filles qui remet mon Dieu. Seigneur, m'a dépendu dans studio qu'on prend le bon moyen, m'a dépendu dans ministère qu'on prend le bon moyen pour capable foyer des jeunes filles, des jeunes garçons, pour capable apprendre des leçons de spiritualité, pour que le mouvement ça commence à capable continuer loin, pour yo connait comment pour évoquer mon Dieu, comment pour déclencher un réveil, comment pour amener la puissance de l'esprit, comment faire venir sur la terre le feu sacré. Déclarer ça au nom de Jésus. Mon frère, si vous venez ou aller, ou pas comme nous toucher, pas comme monde ou passer héritage spirituel là-bas, li, tu as échoué. Bon Dieu qui connaît ça, bon Dieu dit yo, samba nous yo. Aïe aïe aïe, bam folil. Deutéronome chapitre 6 verset 7. Et me vient comprendre responsabilité beaucoup plus sérieusement que me te comprendre ni avant en tant que papa. En tant que papa. Si je viens là, je prêche, mes deux, et puis je ne suis pas assuré. On légacy spirituel dans la famille. Pour ne pas gagner de monde moi au camper. Something is wrong. Que bon Dieu, dans la grâce, capable de choisir pour son service au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 6, verset 7. Mais qui ça, bon Dieu dit? Bon Dieu dit, on nous prend depuis dans verset 5. Mais qui ça le dit? Deutéronome chapitre 6. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis tout ça le dit encore. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et puis on continue. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et puis tout le continue dans verset 8 là. On allait. Dans verset 8 là, Seigneur a continué à parler. Il dit comme ça, tu les liras comme signes sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et puis tout le bon Dieu dit, mais qui ça n'a fait? Et tout. Je me pose cette question. Comment fait Isaac te poser papa la question que te poser papa là? Ou à songer en route vers la montagne de Dieu pour offrir l'holocauste, le sacrifice. Isaac remarquait gon bagay dans ce sacrifice là qui manquait. Et question posée à moi. Comment du fait qu'on est au bagage qui manquait? C'est parce que ce n'est pas la première fois que Isaac t'a gardé et observé, t'a témoin de papa qui t'a fait sacrifice. Isaac, t'es qu'on ouais. Papa là devant l'autel là déjà. Et le papa là devant l'autel là.
toujours gagné un sacrifice. Il n'y avait pas que le bois. Il n'y avait pas que le feu. Il n'y avait pas que le couteau. Mais il y avait toujours l'agneau pour l'holocauste. Et puis tout le gardé, lui ouais, qu'un bois, lui ouais, qu'un du feu, lui ouais, qu'un couteau. Et puis tout dit, papa, je ne comprends pas. L'autre fois, m'connouais, couteau. L'autre fois, m'connouais bois. L'autre fois, m'connouais du feu. Mais qu'on bagaille, m'connouais tout. M'parouais foi ça. Et papa dit, qui soit paroué petit moi. Lui dit, m'parouais agneau. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? M'senti pour m'mande, est-ce que petit tout? Qu'on dit, papa, côté les tu paroles là jodia papa côté vigile matin à la jodia papa côté oh mon Dieu je cherche ta face la jodia hôtel a fini un endroit de catéchèse destruction religieuse et yon ne bagaille. Grâce Seigneur. Yon nan bagay, bon Dieu a brelé parents yo. Yon nan bagay, bon Dieu a mandé papa yo. Yon nan bagay, bon Dieu a mandé maman yo. Monte hôtel yo. Pour ti moun yo ka wè, comment hôtel fait. Pour ti moun yo ka wè, comment prière fait. Pour ti moun yo ka wè, comment invocation fait. Pour ti moun yo ka wè, comment prière fait. Pour mandé bon Dieu grâce, pour mandé provision, pour mandé bénédiction. Les l'école pral ouvert, amené yo devant hôtel là. Les a traversé en l'autre classe, mené yo devant hôtel là. Les années a commencé, mené yo devant hôtel là. Les nous gon problème, mené yo devant l'hôtel là. Son droit de catéchèse. That's why we need to raise an altar. Nous pas seulement lever ou peut-être nous. Mais lever ou pour tout le monde nous. Ça bâti moun nan seli la pe. La kay mwen sou hôtel mwen mwen gen l'huile d'onction. Et puis tout mwen gen deuxième petit garçon nan qui pas trop bien. Mwen pas sou je si c'était premier ou bien deuxième nan pas trop bien. Et puis tout li vin kote m. Yo konn wè lè ou malade. M'rale huile d'onction mette le sou yo et puis tout yon nan vin kote m ni pas trop bien li dit daddy use the oil my god daddy use the oil que mon Dieu levé nan génération ça des hommes et des femmes de Dieu qui campaient au tel yo et les ti moun yo malade yo dit daddy use the oil. Les petits moun yo te pou yo fè, pren yon décision sérieuse dans la vie yo. Y a fin kote maman, papa pou yo di daddy, use the oil. Avant y a nan collège, yo di daddy, use the oil. Avant année a commencé, yo di daddy, use the oil. Enfant, yo même à l'hôpital, yo di daddy. Use the oil. Et puis tu me sens pour me dire swear. Dresser hôtel yo. Dresser hôtel yo. Camper hôtel yo. Camper hôtel yo. Présenter hôtel yo. Et l'opéra devant hôtel yo. Des fois, pas seulement à l'poukou. Mene timoun yo avec yo. Mene madame na avec yo. Mene petit garçon avec yo. Mene petit fou avec yo. Apprenne yo rencontrer mon Dieu. Apprenne yo créer espace. Apprenne yo créer un temps personnel. N'a va gagner yon génération de jeunes spirituels. N'a va gagner yon génération d'enfants spirituels. N'a va gagner yon génération qui a cherché mon Dieu à genoux. Qui a cherché mon Dieu dans la prière. Qui a
apprendre que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui reconnaît que les succès de la vie, les succès de la vie, les succès de la vie, nous pas joignons seulement avec l'effort, mais nous joignons avec la prière, parce que des portes et fort pas qu'à ouvrir, mais la prière qu'à ouvrir, des côtés, intelligence pas qu'à ouvrir, la prière qu'à ouvrir, des espaces, intelligence pas qu'à baoul, la prière qu'à baoul, des bagailles, ou pas qualifié pour lui, la prière à baoul, camper au délio, en nous camper au délio, pour faire venir le royaume de Dieu sur la terre. En nous camper au délio, pour être capable, amen, développer une relation avec Dieu. En nous camper, amen, au délio, pour être capable d'attiser, pour être capable de nourrir le feu de la prière. Mais en nous camper au délio également, pour être capable de créer une génération de jeunes, une génération d'enfants, une génération de croyants, une génération de chrétiens qui luttent à genoux, qui vivent à genoux, qui prospèrent à genoux, qui marchent à genoux, qui avancent à genoux, qui travaillent à genoux, qui font des impacts pour Dieu à genoux et qui amènent le royaume de Dieu. Vont t'excuser, dit Seigneur, élève cette génération. Vont t'excuser, dit Seigneur, élève cette génération. Élève cette génération. Levez en génération. Simon qui a prié. Levons génération. Simon qui compte bon Dieu. Levons génération. Simon qui compte hôtel. Levons génération. Papa qui a traité hôtel. Levons génération. Hôtel dans la caille. Hôtel dans l'église. Hôtel dans le travail. Hôtel dans le bureau. Levez en génération, Seigneur. Une génération. Monde qui rêvait à genoux, monde qui a lutté à genoux, monde qui a prié à genoux, levez en génération, une génération d'intercesseurs, une génération d'adorateurs, une génération de Timoun puissants, une génération de jeunes puissants, une génération dont l'église puissante, une génération de croyants. Une génération de spirituels, une génération de connectés, une génération de puissants, une génération, aïe aïe aïe, de monde qui roule du Saint-Esprit. Levez une génération de pasteurs qui mènent l'église à genoux, une génération de pasteurs qui mènent l'église devant l'autel, une génération de pasteurs qui croient dans la prière, qui travaillent avec la prière, qui dépendent de la prière, qui dominent dans la prière, qui levaient dans la prière. Levez une génération d'évangélistes qui prêchaient avec la prière, qui prêchaient avec la prière, qui parlaient de la prière, qui montraient de la prière, qui enseignaient la prière. Levez une génération de jeunes. Qui pas seulement intéressé dans soirée récréative, qui pas seulement intéressé dans game night, qui pas seulement intéressé dans pique-nique, qui pas seulement intéressé dans promenade, mais Seigneur, levez une génération de jeunes qui intéressé dans la prière, qui intéressé dans veille de nuit, qui intéressé dans 6 pour 6, qui intéressé dans le jeûne, qui intéressé dans 40 jours. Qui intéressé dans fait qu'un jour, levez une génération qui croit que c'est dans la prière, il y a une force, c'est dans la prière, il y a une puissance, c'est dans la prière, miracle la fête, c'est dans la prière, tu fais à personne, c'est dans la prière, ou à pas victoire, c'est dans la prière, ou à pas onction. C'est dans la prière, promesse Dieu à réaliser. Levez une génération. Seigneur, levez une génération. Levez une génération. Une génération qui a chargé le réveil.
une génération qui a prié pour le réveil, une génération qui a soupiré après la réforme, une génération qui a prié pour la réforme, une génération qui a marché dans sainteté, une génération qui a marché dans l'honnêteté, une génération qui a marché dans la pureté. Seigneur, levez une génération. Levez une génération. Levez une génération. Levez une génération. Une génération de musiciens qui a prié. Une génération de Timothée qui a prié. Une génération de bassistes qui a prié. Une génération de batteurs qui a prié. Levez une génération de techniciens. Techniciens qui a prié. Caméramen a prié. Pour qui la technologie a prié. Pour qui a dirigé Jean a prié. Levez une génération. Levez une génération, Seigneur. Levez une génération. Comme relais. La génération de l'autel. La génération de l'autel. La génération de l'autel. J'appelle la génération de l'autel. J'appelle la génération de l'autel. J'appelle la génération de l'autel. Que la génération de l'autel arrive à se manifester au nom de Jésus. I call the altar generation. The altar generation. I pray for the altar generation. La génération de l'autel. La génération de l'autel. La génération de l'autel. Moi mandé les comités de l'église réunis. C'est pour y'aura prié. Moi mandé les chefs départements réunis. C'est pour y'a prié. Moi mandé les pasteurs réunis. C'est pour y'a prié. Moi mandé les conférences réunies, c'est pour y prier. Moi mandé les réunions ouvriers, c'est pour y prier. C'est pour mon Dieu lever des administrateurs qui prient, des dirigeants de l'œuvre qui prient, des présidents de conférences qui prient, des coordonnateurs qui prient, des secrétaires ministériels qui prient. La génération de l'autel, je prie pour la génération de l'autel. Je prie pour la génération de l'autel. 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 Priez. Priez. Nous espérons que nous avons béni par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côtoyer et gens qui plus facile pour vous. Nous disons bon Dieu merci pour le ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former moun, édifier eux et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guéons dans deux plans, mes papa bon Dieu, et nous disons bon Dieu, remets-nous, nous remets tout. Bye bye.